Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Chers visiteurs, notre musée va bientôt fermer ses portes. Assurez-vous d'emporter tous vos biens quand vous partez. Merci de votre visite. Je m'appelle Guo Wanzhe, clerc au district de Gaochang du département de Shizhou. Je suis chargé de la transmission des écrits officiels et du contrôle des instruments juridiques. Mais les gens me surnomment aussi l'encyclopédie de Gaochang. L'encyclopédie! Je sais tout de la route de la soie, le pèlerinage de Xuanzang, la pérégrination vers l'ouest, Tourfan, bref, tout ce qui concerne Gaochang peut faire fureur. Tiens, qui est en train de jouer la mélodie du chant fauvette du printemps devenu populaire à Chang'an? Hey, regardez cette dame portant du maquillage rouge. C'est la célèbre danseuse de Gaochang, une star internationale. Mesdames et messieurs, détendez-vous. Chaque jour, l'ouverture du bazar de Gaochang s'accompagne de 200 battements de tambour. Nous sommes dans un véritable super bazar international. Venez voir de la soie authentique venant de Zhejiang, dans le Sichuan. Des délices à ne pas rater, des raisins secs de Gaochang à prix intéressant. Venez voir les fourrures rares de Perse. Avec ces bottes en fourrure de chameau, vous serez assurément l'homme le plus beau de cette rue, et même de toute la ville. Lisan, arrêtez-vous. On dit que Lisan, venu de Chang'an, faisait du commerce avec un étranger. Mais plus tard, ce dernier a curieusement disparu. Quoi? Certains disent que Lisan l'a assassiné pour de l'argent. Il avait emprunté plus de 200 rouleaux de soie à Xiao Talan, mais ne les a jamais rendus. Un jour, Lisan m'a dit que Xiao Talan voulait vendre ses articles plus loin vers l'ouest. Ils se sont donc séparés dans la ville de Gongjia. Le clerc est là. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Arrêtez. Monsieur Guo, vous devez rendre la justice à mon frère. Voici la reconnaissance de dette de Lisan. Lisan, avez-vous des contre-preuves? Quand j'ai dit au revoir à Cao Dalang dans la ville de Gonghue, les coursiers du protectorat d'Annecy étaient aussi là. Ils peuvent témoigner en ma faveur. Dans ce cas, je vais voir si vous avez menti ou pas. Cao Erlang, voici des documents officiels du protectorat d'Annecy. Il y est noté qu'ils se sont effectivement séparés ce jour-là. Selon la loi des Tang, toute personne ayant emprunté plus de 100 rouleaux de tissu sans les rendre sera soumise à une sévère punition. Une sévère punition! Je vais rendre les 275 rouleaux de soie que j'ai empruntés. Sous la dynastie Tang, les étrangers et les Tang devaient tous respecter la loi des Tang. C'est grâce à une loi rigoureuse comme fondement et à des fonctionnaires comme moi qui contrôlent strictement son application que la dynastie Tang a pu connaître sa prospérité. Le litige entre Cao Erlang et Lisan sera fidèlement retranscrit. À leur expiration, les documents n'ont pas été jetés pour autant, parce que le papier était précieux à l'époque. Il fallait donc le recycler. Ils sont découpés et pliés sous forme de chaussures, de chapeaux et même de cercueils en papier pour être enterrés avec les défunts. Ainsi, des récits d'événements ayant eu lieu à Gaochang, importants ou pas, ont pu être conservés jusqu'à nos jours, dans les tombes d'Astana, sous un climat aride. L'espace et le temps des contrées occidentales de la dynastie Tang ont été pliés et sont conservés près de la montagne de feu. Ce qui était un simple mot dans le passé devient une énigme au présent. De grands événements insignifiants et de petites choses bouleversantes. Ainsi est faite l'histoire d'Astana. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.